Bonjour tout le monde. Vous venez ici par curiosité ou simplement vous avez déjà entendu parler de Linux? Vous ne connaissez rien ou presque rien et vous en voulez savoir? Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes en bon endroit. Je suis Widedet Gessu et je serai votre tutrice tout au long de cette formation de système d'exploitation Linux. Cette formation gratuite et entièrement en ligne dure 7 semaines et nécessite de 2 à 4 heures de travail par semaine pour réaliser des activités pédagogiques variées. Je vous propose alors des activités complémentaires de différents types, à savoir des activités d'apprentissage, des exercices pratiques, des activités de création et de production et des activités d'auto-évaluation. Vous croyez que Linux est trop compliqué et qu'il était fait pour les professionnels? Mais non, Linux n'est pas compliqué du tout. Je vais vous le prouver. Vous ne savez rien sur Linux? Ce n'est pas grave. Cette formation est pour les débutants. Elle s'adresse à un large public cible, à savoir toute personne intéressée par Linux ou professionnels désirant migrer vers un environnement des logiciels libres. Elle peut également être utilisée par toutes les formations présentielles, notamment celles des écoles d'ingénieurs, des ISET, des facultés ou toute autre institution de formation. Pour suivre cette formation, vous n'avez pas besoin des prérequis particuliers. Un minimum de maîtrise d'ordinateur vous suffira. Cette formation vous apportera les connaissances indispensables pour installer et utiliser Linux au quotidien, quelle que soit sa distribution, de manipuler ses commandes et ses utilitaires de base, et de maîtriser quelques fonctions d'administration relatives à la sécurité. À la fin, vous serez capable de passer la certification internationale LPIC 1 qui permet de valider vos connaissances et compétences, d'apporter plus de visibilité sur votre savoir-faire et une reconnaissance de votre expertise. Alors, rejoignez-moi et devenez un pro de Linux. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à la prochaine.